Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour le petit déballage du dimanche de la Mystery Box. Comme à chaque fois, tous les dimanches, je vous rappelle, j'achète une Mystery Box sur l'internet asiatique, bien évidemment, parce que je suis en Asie, donc c'est plus facile pour moi. J'achète une Mystery Box, on a commencé avec des box pas chères à ça, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Là, on est sur les box les plus chères avant de monter encore en gamme, hein, parce qu'on monte un petit peu crescendo. Là, la box fait environ 27 euros, soit 1000 bahts en monnaie locale, encore une fois, parce que je la commande depuis la Thaïlande, donc je la paye en monnaie locale. Bien évidemment, c'est le taux de conversion, vu que c'est prélevé sur ma carte bleue. Voilà. Donc, tous les dimanches, on déballe une Mystery Box. Je vous rappelle, cet enregistrement est enregistré le samedi. Ça veut dire que si le samedi à 10h, vous n'avez rien à foutre, vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description, vous cliquez sur Twitch, et là, on peut se voir en live. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de découvrir la box en live, mais on fait l'enregistrement en même temps en local, et cet enregistrement sera sur YouTube dimanche, vu que j'ai déjà fait la vignette, la description, et sauf ce qu'il y a dans la boîte, et tout, voilà. Bon, je remercie les 4 personnes qui sont là. Si vous voulez m'aider dans ce déballage de la box, à me dire, bah, par exemple, en fonction de ce qu'il y a dedans, quelle est la valeur des produits, par exemple. Encore une fois, voilà, je n'ai pas de sous, parce que là, dessous, il y a mon adresse et tout. Voilà, après, c'est juste simplement pour mettre la boîte comme ça. En même temps, l'adresse est sous la boîte, parce que on voit bien, on est bien là, on a bien le dessus de la boîte. Express You Online Business. T'as avec tout ça, mon pote. Bon, ah, bravo, 5 en ligne. D'ailleurs, je remercie tous les Twitchers qui m'ont rejoint sur Twitch. Je rappelle, tous les enregistrements que je fais, bah, tous, la plupart que je fais pour GLG vidéo, je les fais également en live. C'est-à-dire que bah, on peut les regarder en live, on fait l'enregistrement et tout. Vous participez un peu au truc, hein, voilà. Vous êtes 99. Voilà. Je vous parlerai de la peut-être la surprise de demain, à la fin de l'émission, ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on est bientôt à 100 followers, et je pense que 100 followers, ça se fait. On me dirait, c'est nul, c'est que 100. Bah ouais, mais enfin bon, ouais. Le mec qui vient de commencer qu'en a 5, et il dit, eh, ce mec en a 100, c'est beaucoup plus. Après, je suis bien sûr, il y en a qu'on en a 10 000, mais. Oh, 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 regarde. Tu vois un peu ou pas? Alors, la boîte est grosse. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un truc? Plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bon, il y a plein de trucs. Allez, c'est bien. Je le sens bien. J'attends bien cette boîte. Bon, on va commencer par le truc le plus gros. Pas te spoiler. Non, je me spoil pas non plus. Je referme la boîte. C'est quoi? On dirait une enceinte Bluetooth. Pourquoi il y a un micro? Attends, je mets ça sur le côté là. C'est pas mal ça. 30 balles. Je vous rappelle, 30, 27 balles la boîte. Alors après, j'imagine bien que ça doit pas valoir, ça doit pas valoir 200 euros. Alors s'il y en a qui sont en même temps là et qui disent, tiens, vous pouvez regarder sur Internet, ça s'appelle le DCO XO F26. Voilà. Si vous pouvez regarder vite fait sur Internet et éventuellement dans les commentaires me dire le prix de ce produit-là, comme ça on saura déjà si on a fait une bonne affaire ou pas. C'est pas un truc de clochard pour aller se chanter, on dirait un truc avec un micro là. Vous savez, on dirait un truc de karaoké. C'est pour, faire, pour jouer le clodo là. Ah ouais, mais reconversion professionnelle. Moi je vais aller chanter. Ah ouais, le soleil vient de se lever. Puis il y a un blague qui vont me reconnaître. Ils vont dire ah, mais non, mais c'est des GLG. L'ami du petit déjeuner, je suis pas sûr que. Bon. Alors. Ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est une enceinte Bluetooth. D'accord. Je vais mettre ça là. Là-dedans, il y a quoi? Ah non, c'est ça. Il y a bien un micro, hein. Il y a bien un micro. Il y a bien un micro, ouais, c'est ça. Oh putain, ouais, regarde, il y a la lanière, regarde. Pour se la mettre autour du cou. Ici, donc je peux mettre autour du cou. Et je peux aller chanter. Il y a un jack jack. Et ça, c'est un micro USB. Fais voir. Putain, la vache. C'est trop bien. C'est ça, là. J'aurais jamais eu l'idée d'acheter ça. Enfin bon, c'est pas grave. Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Tu vois, un peu? Bon, et l'enceinte, attends. J'ai un peu le bordel, hein, je suis désolé, mais... Ça, bon, la lanière, je vais pas mettre ça autour du cou. Et après, voilà, tu mets un micro avec une grosse prise jack. Tu vois? Attends. 38 euros sur... The Bluetooth device is ready to pair. Ok. 38 euros? Putain, ça vaut le coup, hein. J'ai payé 27 balles la boîte. Ah bah déjà, ouais, bah après, bon, j'imagine, ça doit pas leur coûter autant. Bluetooth. Alors, Bluetooth... XO F26. Voulez-vous associer?
C'est pas super lourd en même temps. Hein. Mais il y a le micro. Il y a quand même le micro. Et alors, l'appairage? C'est un autocollant qui se décolle déjà. On va faut dire, ça fait pas. Ah, ça y est. Ok. Alors, on va essayer musique, nos copyrights, bien évidemment. Sinon, je vais me faire défoncer par YouTube. Alors, attends. Je vous mets un peu de musique, comme ça, on va l'écouter. Joachim, parce que là, il y a une question où vous dites, mais attends, mais c'est quoi le son? Joachim Caru Dream. Voilà. Nos copyrights, hein, bien évidemment. Ici. La sada, c'est ça, le sang. Ok, un peu de pub, bien évidemment. La sada, bon. Allez, je fais voir un peu. Ça va? Il y a à fond les ballons là. Hein. Oh, là c'est trop. Là c'est beaucoup trop. Ouais? Ouais? Est-ce qu'il essaierait pas de brancher le micro? Qu'est-ce qui va se passer si bon, il est où? Dans ton cul. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Voilà, voilà, regarde, ça, ça et ma petite lanière, regarde, sur le côté, regarde. Putain, c'est bon, je vais aller là, reconversion professionnelle. Regarde, regarde, mais putain, mais... Alors attends, je vais l'ouvrir un peu. Je suis désolé, hein, je fais le con, mais en même temps, je suis là pour ça. Le soleil vient. Mesdames et mesdames, je prends les tickets restaurants, la monnaie, bien évidemment, une petite cigarette, même si je fume pas, je vais vous prendre un paquet. Non, mais écoute, voilà quoi. Bon, je suis pas convaincu que... Alors... Arrêtons un peu le carnage. Arrêtons un peu le carnage. Bon, ben... Bah... Bon, ben... Bah... Je sais plus quoi dire. Je suis désolé, j'en perds mes mots. No job. J'ai pas, dites-moi. 38 euros sur Internet, quand même. Hein. Merci à Cyril Jamies. Première fois sur le chat d'un spectateur. Bah écoute, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Je... C'est pas... On est d'accord que c'est pas le genre de truc que j'achèterais. L'enceinte Bluetooth n'est pas d'une qualité incroyable. Mais... Ça a le mérite d'être assez hétéroclite. Je veux dire, là, t'as quand même le micro, l'enceinte Bluetooth, nanananana. Voilà. Et, regardez, bande de mauvaises langues que vous êtes. Il y a quand même l'entrée micro. Elle a quand même un lecteur de carte SD. Pour pouvoir mettre la musique de l'ami du petit déjeuner, ok. Elle a quand même une entrée USB et une entrée auxiliaire. Je suis désolé, mais elle est quand même mieux fournie que certaines enceintes. J'ai une enceinte Sony à je sais plus combien là. Elle est pas où la pointe de connectique que ça. Ouais, c'est pas. Je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Je suis presque fan. Je suis presque fan de, du micro, de tout, de karaoké. Je vais l'envoyer à votre caprod, hein, comme ça, pour faire. Comme il cherche des trucs pour le karaoké, le mode portable, clochard SDF. Voilà. Non, mais bon, reconversion professionnelle. Bon, c'était le premier. Je pense que juste avec le premier, on a... Il y en a combien? Attends. Je vais vous dire combien il y en a. Attends. Là, il n'y a rien. Attends, là, il y a un. OK, un. Là, il y a deux. Comme ça, c'est petit, ça. Là, c'est quoi? Là, il y a trois. Mm-hmm. Là, il y a quatre. OK. OK, quatre. OK. Quatre et celui qu'on vient de faire. Donc, ça fait le cinquième. Allez. Suivant. Alors, DVP musique. Bref, bref, un casque filaire, quoi, en gros. Je vais essayer de pas me couper un doigt. Je sais que c'est très bien pour faire de l'audience. Bon, si notre, notre sponsor du jour, j'allais dire, non, tu peux regarder sur Internet combien ça vaut. Ça s'appelle un DVIP G40. Voilà, DVIP G40, ça doit être un petit casque filaire. Ça doit valoir 10 balles. En même temps, ça vaut déjà 10 balles. Non, ça doit valoir moins que ça. Oui, c'est un petit casque filaire, tu vois. Sans prétention. Il n'y a vraiment rien. Putain, la boîte est... La boîte est... Regarde. Et la boîte est calée, regarde. Bon, regarde, elle est... Ça, c'est pas du pauvre... C'est plastique, hein, d'accord. C'est parce que c'est du plastique. Mais...
Regarde. Donc je mets ça là-dedans. Ok. Très bien. Et pas mal. Écoute, bon, ça reste un petit casque intra. Il n'y a pas de coussinet, rien, tu vois. C'est vraiment... voilà. T'as ça, tu te démerdes, quoi. En même temps, bon, ça prouve que c'est neuf. C'est déjà une bonne chose. C'est que on voit que c'était neuf puisque... puisqu'il y avait encore le cellophane dessus, même si c'est pas très compliqué à faire. Alors, attends, il y avait un petit là qui m'intriguait. Candidat suivant. Miss Dior. C'est un échantillon de parfum. C'est vrai. Blowing. Blooming bouquet. C'est quoi, hein? Hey, Miss Dior, regarde. C'est pas moi, regarde. Regarde. Il y a marqué que Miss Dior, là. Ok. Bon. Alors. Comment ça se trouve? Bon, moi, je dirais du parfum. Oh, ça se trouve, c'est échantillon de parfum. Tu sais, ne pas vendre. N'est pas à vendre. Vous pouvez faire un cadeau, vous n'avez pas le droit de le vendre. Bon, alors, Miss Dior. Oh, ça tombe bien ce soir. J'ai une soirée cuir et moustache. Non, je déconne. Oula, tout le monde est parti. Tout le monde est parti en ligne. Ça vous amuse pas? Bah, tant pis. Tant pis pour vous. Miss Dior. Oh, c'est du parfum. C'est du parfum pour de la meuf. Putain, j'ai oublié de virer ma coutille, là, sur, avec tout le truc, là. Parce que la dernière fois, déjà... oui, ça doit être un... À mon avis, toi, ça doit être des échantillons, toi, de parfum qu'on trouve dans les parfumeries. Ne pas vendre. Ne surtout pas vendre. Mais... donner. Donner. Donner, c'est donner. Prendre ses volets. Non, personne va me le reprendre le truc, personne en veut de ça. Je le trouve bien donné à quelqu'un. J'ai tout donné à la copine de mon pote, à deux gens, et tous les produits de beauté, elle était trop contente. Oh, c'est trop bien de Corée, tout truc, pour moi, c'est pas grand chose. Bon, il me reste deux colis. Là, ouais, il n'en reste que deux. Bon, allez, on commence par celui-là. Un câble. USB, micro, putain, micro USB. Le problème, c'est micro USB, micro USB. Plus personne utilise de la micro USB aujourd'hui. Bah, en même temps. Ah bah si, mon enceinte SDF là, elle est bien en micro USB, on est d'accord. Bon, alors, oh, il est pas mal. Il est pas mal en fait. Oui, bah, après. On va rien révolutionner, on est d'accord, mais c'est un câble micro USB. Bon, bah écoute, vous me ferez le total, hein. C'est écrit, plus personne, et plus que moi, et plus deux en ligne. Deux, c'est pas mal. Les deux qui sont là, vous pouvez, si vous pouvez regarder sur Internet, me dire la valeur totale de ce boîtier surprise, et on va faire la dernière. Pas mal. Pas mal, pas mal, regarde. Vous allez voir qu'il n'y a plus rien. Là, je vais mettre la boîte ici. Alors, ça, Bazeus. Bazeus, c'est quoi? Une idée, c'est quoi? Air fraîcheur. Ah! Air fraîcheur. Air fraîcheur? C'est allemand, bien sûr. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Sans le défoncer. Ça doit être un purificateur d'air. Le plus compliqué, c'est de pas me couper un doigt à chaque fois. Alors, plus 2. Alors, plus 2 viewers. Ok, 21 minutes. Ah, mais on est monté à 5 tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gens l'auront pas plus. C'est mercredi matin. C'est samedi matin. Les gens, ils ont regardé. Ça doit pas être des abonnés de la chaîne. Ils sont tombés là-dessus. Ils ont dit, oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ce mystery, mystery package? Qu'est-ce qu'il a reçu, le mec? Et... gros suspect. C'est vraiment le gros suspense. Ok. Donc il n'y a pas de pile, rien du tout, quoi. Non, il n'y a pas de. C'est quoi ça? Alors ça, c'est des. Ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air compliqué. Ah, t'as enlevé mes lunettes. Tu comprends. Hein. Alors. Truc. Donc ça, truc, tu l'ouvres. Ah, c'est du sang bon. C'est pour que ça sente. Avec l'éclairage. C'est pour que ça sente bon la Chine. Tu le dévisses, regarde comme ça. Regarde. Vous pouvez voir comment ça marche. Hein. Comme ça, vous ne m'emmerderez plus. Hein. Vous aurez appris un truc aujourd'hui. Alors. Ah, d'accord. Donc ça, tu ouvres, d'accord.
Ensuite, tu ouvres un sachet mystère. Alors, tu as le choix entre orange fragrance, pie elegance, lemon flavor et orange flagrance. Alors, comme j'ai deux orange flagrance, je vais mettre un orange flagrance. Voilà. C'est du... C'est bien ce que tu es en train de te dire. C'est que c'est quand même bien du métal. C'est de l'aluminium, ouais. Pas mal. Bon, alors, orange flagrance. Putain, si avec ça, je chope pas le Covid. Je vais mettre ça là-dessus. Donc, tu lui mets la rondelle. Ouf, ouais, c'est esprit... Esprit lemon. Je vais remettre mes lunettes. Je suis désolé, il y a un éclairage, là. Ouh, vous vous en rendez pas compte, mais... C'est les illuminations de Lyon. Ah ben ouais, mais Lyon, merci à la Vierge qui a quand même vaincu la peste, je crois. Alors tu mets un coup comme ça, ouais, fais voir. Ok, ah ouais. Ça doit être pour... Ça on doit le fermer après. Et ça doit être ça pour diffuser l'odeur. Ok, d'accord. Ouais, bah écoute, après c'est pas comme si c'était cadeau, mais voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, je suis assez content. Attendez, je range un peu mon bordel là. Hop là, hop, flagrance ici, tac. Alors voilà. Bon, c'est le seul truc que je vais garder, à mon avis, ça, voilà. C'est bien pour mon bureau là, ça va sentir un peu la petite fille négligée. Ça va être bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, notre mystery box du dimanche. Avant d'enregistrer l'enregistrement et de rester avec ceux qui sont là en live. Mais bon, comme il n'y a pas de commentaires, à mon avis, ça va être vite fait. Plus qu'il n'y a personne, on va être tranquille. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a eu dans notre Mystery Box du dimanche? Donc, on a eu de mieux en mieux. Enfin, du mieux au truc. On a eu une petite enceinte Bluetooth avec micro, mine de rien, où tu peux, regarde, tu mets là, et tu peux, voilà. Et tu peux faire des soirées incroyables. C'est trop bien. Voilà. Ça, et tu peux mettre de la musique, et quelque part, tu peux chanter par-dessus. Et l'emmener avec toi, et demander de l'argent aux gens, et voilà. Nouvelle vocation. Et... Mais pas mal, en même temps, parce qu'il y a toutes les entrées derrière, comme de la micro USB, un USB, un jack et tout. Pas mal. 27 balles, hein, je rappelle le package complet, donc c'était pas non plus. Un petit casque filaire. Je veux dire, quand bien même ça vaudrait que 5 euros, 10 euros. Je ne pense pas que 5 euros, parce que quand même, un casque filaire, ça vaut quand même. Un casque filaire, c'est Micus French. Micus French. Première fois sur le chat. Eh ben écoute, bonjour à toi. Bonjour à toi, Micus French. Donc, dans notre mystery box du dimanche, on avait cette petite enceinte, machin, ce petit casque. Ça, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que ça valait 38 euros sur Internet, quand même. Quand même. C'est quand même pas donné. Pour un paquet, j'ai payé 27 balles, j'ai l'impression d'en faire une bonne affaire tout de suite, là. Après, ça ne sert strictement à rien. Il y avait des petits écouteurs filaires, pas de ouf, mais pas mal. J'avais un petit parfum Dior, Miss Dior. Et ce qui est bien, c'est que... Made in France. C'est tellement petit et truc que ça, c'est un échantillon. Souvent, dans les boutiques de parfums et tout, ils donnent des petits... J'ai retrouvé le prix de rien. Ah, merci Mike. Attends, c'est quoi, c'est ça, Mike? Mike Doux. T'as le prix de rien? Besoin de rien, envie. Bah attends, on va le faire tous ensemble. Regarde, quand tu sais pas faire, regarde, tu fais comme moi. Tu ouvres AliExpress, d'accord? Ça, tu peux y arriver. Trouve AliExpress. Tu mets en haut l'application, tu mets photo. Ok, ici tu prends en photo le produit comme ça, tac, t'attends qu'il cherche et bim, t'as un prix 14 euros. Alors, nanana, haut-parleur sans fil, non, c'est pas celui-là, celui-là, 31 euros. Ah, regarde, 31 euros celui-là. Donc, vous notez hein, dans les commentaires. 31 euros celui-là. Eh ben, hey, 31 euros sur AliExpress, franchement, ça les vaut pas. Non, 30 euros, ouais, 31 euros. J'ai payé 27 le trou, 31 euros, franchement, ça va. Vous notez? C'est bon? On continue. Donc 31. Je suis sûr que vous notez pas. Faut qu'il y en ait qui mettent dans les commentaires 31. Sinon, après, j'ai oublié. Celui-là, ici,
Tac. Alors, DVIP, JBL, Amtex, Rock Tiger, Xiaomi. Cette marque n'existe pas. Ouais, en même temps, on en trouve à 2 euros. Hein. 2, 1 euro. Fais voir si on cherche sur AliExpress. DVIP G40 31. Ah merci hein. Ah bah heureusement hein. Putain, heureusement vous m'aidez hein. DVIP bon il y a pas, d'accord. Bon celui-là on est d'accord, il y a pas. Bon ça doit pas valoir plus de 2-3 euros hein. Bon ça va. Bon le parfum Christian Dior par contre je sais pas, là c'est échantillon gratuit, ne peut pas être vendu, donc c'est pas le but. Le câble. Putain, la vache, l'oignon, fais voir, câble l'oignon. Câble l'oignon. J'ai tout trouvé, ça. Oh là là, rien du tout. 36 cm. Comme 30 cm plus 6 cm, quoi. Bon, le câble l'oignon, ça doit pas valoir grand-chose. 31 plus 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors attends, ça c'est quoi? C'est l'oignon. L'oignon. Ok. Il n'y a pas une référence là. USB mi CO2. Tu vois, regarde. USB mi CO2. Et je ne retrouve rien, d'accord. Bon, l'USB l'oignon, c'est bien l'oignon, hein, c'est ça. L'oignon, hop, ici, l'oignon, rien du tout. Bon, après, un câble micro USB, on est d'accord, ça doit pas valoir plus de 2 ou 3 balles. Ça, Baseus, à ça, Baseus, ça doit valoir pas grand chose, on est d'accord. Je vais voir, attends, ici, on reprend. Ça, c'est étonnant. Hein. Alors. Putain. Bon, on est d'accord, on retrouve rien. Il n'y a pas un prix là-dessus. 790, ça a l'air d'être des bahts. 790 bahts, naturel flagrant. Ça doit pas être donné cette cochonnerie là, en métal et tout. Bon, j'ai un peu, voilà. Bon, après, on saura pas. On saura pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait de mauvaises affaires. Vous me direz en commentaire. Voilà. Pour 27 euros, j'ai eu l'enceinte Bluetooth, haut-parleur et tout. Une petite bouteille de parfum, échantillon gratuit, ne pas vendre. Ne peut pas être commercialisé, un câble micro USB, des écouteurs pas chers, et un truc fragrance qui permettra de devenir mon nouvel ustensile sextoy du bureau, c'est-à-dire que je pourrais le mettre là-dessus. Ah, ça sent un... ah ouais, regarde, sent. Regarde, attends, mets ton nez devant l'écran, regarde. Non, mais ça marche pas, t'es con. Ah, tu t'es posé la question quand même, ah, peut-être, mais non. Mais non. Bon, ben voilà. Voilà ce que j'avais dans la mystery box du jour. 31 plus 3 plus 3. Ouais, 31 plus 3 plus 3 plus. Ça, s'il dit ça vaut 800 bahts, ça fait 20 euros quand même. C'est un Baseus, on peut trouver. Comment il s'appelle? Baseus Nature Fragrance. Attends. Ici. Bah. Ça doit être cher, ça. Baseus. Nature. Natural. Il faut que je le mette en anglais. Natural. Fragrance. J'écris comme un cochon. Fragrance. Alors, Baseus. Natural fragrance. Image. Shopping. Shopping. Plus de produits chimiques jusque là. Y a pas, hein. Putain, c'est nul. Bon, faudra peut-être retrouver. Ça doit pas être donné parce que c'est de l'aluminium de métal. Baseus quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même de la marque. Hein. Enfin, c'est une bonne petite marque. USB l'oignon. Non, USB micro USB. Sur des vieilles fiches produits Ali, le diffuseur, on le trouvait à 18 $. Mais toutes les fiches sont enlevées. Ah bah ouais, ouais. Non mais il y a un petit autocollant, regarde là-dessus, pour pouvoir le magnétiser sur le front. Oui, non mais ça devait... Non parce que comme c'est... En fait, ça devait surtout pas se vendre. Un, le problème c'est...
c'est un peu le leitmotiv des fabricants et tout, c'est-à-dire qu'ils aiment bien de vendre un machin, mais les recharges, t'es obligé de prendre les leurs. Donc après, comme ça, ils sont sûrs, comme les imprimantes, ils vendent le truc pas cher, mais ils sont sûrs de vendre les recharges. Là, il y a quand même ça, plus 18. Ouais, donc en même temps, bah, j'ai fait, voilà, si ça, ça vaut 33, que ça, ça, on va dire que ça valait quand même au moins 10 balles. Moi, j'ai au moins 10 balles, ça, voilà, ouais. Parce que c'est quand même de l'aluminium, c'est joli et tout. Déjà 33 plus ça, on avait dit plus 3, 36 plus ça, au moins 39, j'en ai au moins pour 40 balles. Et l'échantillon gratuit de parfum ne pas vendre, mais c'est cadeau. Je dis, ah, le mec, c'est fait chier et il a réussi à gratter un petit bout de parfum. Il dit, je me sens le colis, il sera content. Mais moi, je me rappelle, ma mère faisait la collection des mini bouteilles de parfum. Et comme dans les parfumeries, on n'en trouve quasiment pas, et ben sur le marché de l'occasion, ça coûte une blinde. Tu veux des petites bouteilles comme ça, c'est la misère à trouver, et les mecs qui les vendent, ils se gavent. Même s'il y a marqué que, toi, faut pas les vendre, mais ils te les donnent pas non plus, tu vois. Voilà. Donc, ben, je trouve que la boîte... Bon, il n'y a plus de bouteilles de parfum. Non, elle est tombée sur du... J'avais un tapis, bien sûr. Bon, ben, moi, je trouve que j'ai fait une bonne affaire aujourd'hui, ça change un petit peu. Bon, allez, on va mettre ça là ici. Moi, je suis assez content de cette mystery box. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'était bien, pas bien. On va arrêter ici l'enregistrement de la vidéo YouTube qui sera en ligne demain, bien évidemment. Sur les autres, si vous intéresse, on reste bien évidemment après l'enregistrement. C'est-à-dire que l'enregistrement, je l'arrête, mais je reste avec vous ici pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Si vous avez des questions, des remarques, je vais lire tous vos commentaires. Voilà, si vous avez des suggestions et tout. Et je vous parlerai du challenge. Ah bah oui, on va en parler de ça. Si... Et seulement si on est à 99 followers sur Twitch, qui n'est pas beaucoup, mais pas peu non plus. Si on fait les 100 followers, on se retrouve demain. Parce que j'ai reçu un autre colis aujourd'hui. Alors ça, moi, je sais ce que c'est, parce que j'ai le numéro de tracking. Je sais quelle marque. On se ferait un petit déballage demain à... Donc demain, c'est dimanche. Je ne vais pas passer la journée ici, parce que 4h de l'après-midi, ça ne m'arrange pas. Ça serait 16h. On se donne rendez-vous dimanche. Si on fait 100 followers sur Twitch... Ce qui paraît facile, il n'y en a qu'un, parce qu'au pire, ça aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore, bah, vous pouvez, et sinon, bah, quand vous avez regardé la vidéo sur YouTube, vous dites, ah, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Si on fait les 100 followers sur Twitch, on se retrouve dimanche à 16h, donc 16h France, évidemment, donc 22h pour moi, pour le déballage de ce produit-là, donc en mode enregistrement, comme à chaque fois, et ensuite, on arrête l'enregistrement, et on se fait une mode super fac, super truc et tout, et voilà, on peut passer un bon moment, voilà. Donc, on arrête l'enregistrement YouTube ici, et je vous retrouve sur Twitch dans 30 secondes. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, un bon dimanche. N'oublie pas d'aller t'abonner sur Twitch, ça sera quand même plutôt sympathique. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous. Peut-être ce soir, on verra. Bye bye.